Mezzo présente l'opéra de l'année. 12 grandes scènes lyriques. 12 productions incontournables des 12 derniers mois. L'opéra de l'année, c'est vous qui votez. Yolanta de Tchaïkovski. Les yeux de l'âme. Yolanta est aveugle. Le roi René a ordonné que sa fille ne sache jamais sa condition. Mais un médecin arrive avec un remède pour ouvrir les yeux de la princesse à la beauté du monde. Pour guérir, Yolanta doit savoir la vérité. C'est son amour pour Vaudémont qui lui donnera la force et le désir de regarder. Entre sensualité et spiritualité, le dernier opéra de Tchaïkovski est une allégorie sur la beauté et la vérité. Quoi de plus tentant pour le plus spirituel des metteurs en scène d'aujourd'hui? Au Teatro Real de Madrid, Peter Sellars signe un de ses spectacles les plus lumineux. Pleine de simplicité et de profondeur symbolique, sa mise en scène traduit en images oniriques la merveilleuse partition. Tout le spectacle tourne autour des yeux verts et de la voix d'argent de Ekaterina Shcherbatchenko. Les éclairages directs, les couleurs vives, la subtilité des mouvements. Même l'orchestre semble suspendu à ses lèvres. Theodor Kourentzis illumine la musique de Tchaïkovski avec une direction tout en nuances. Yolanta, au Teatro Real de Madrid, Peter Sellars fait la lumière sur Tchaïkovski. Jusqu'au 7 décembre, découvrez les 12 opéras de la sélection sur mezzo.tv. Votez pour celui que vous voulez revoir et gagnez des places d'opéra et des DVD. Mezzo, l'opéra de l'année, c'est vous qui votez.